Malcombrook, alors c'est Kenzan Echar, je suis consultante en innovation sociale. À travers ma modeste expérience au sein de la société civile, donc dans le mouvement associatif, au sein d'entreprises privées, d'institutions officielles ou encore dans les médias, je souhaiterais aujourd'hui vous faire part de ce qu'est l'innovation sociale ou encore le rôle de la digitalisation dans la promotion de l'innovation sociale. Donc pour commencer, vous savez qu'actuellement nous vivons dans une société qui va vers le progrès, mais plus les années passent, elle devient de plus en plus inégalitaire. Et puis notre rôle, ici présent à travers cet événement-là, en tant qu'ingénieur, chef d'entreprise, étudiant, ou tout décideur, serait de la rendre plus juste. Car certes, la technologie est meilleure que nous pour des tâches bien précises, mais pour créer, pour interagir, tel que nous le faisons maintenant dans ce bel événement d'Algérie 2.0, ou encore pour avoir une vision globale, il n'y a que l'humain qui a ces trois qualités-là. Et plus encore, il n'y a que l'humain qui peut mettre en interaction ces trois qualités. Donc, devant ces progrès-là, technologiques, numériques, comment pouvons-nous faire pour rester solidaires? Ou encore, que pourrait être la définition de la solidarité du 21e siècle devant les inégalités engendrées par ce qu'on appelle aujourd'hui le progrès? Alors, pour y répondre, il est très important de se concentrer sur le concerné, l'humain, qu'il soit acteur, bénéficiaire ou encore victime. Alors, vous l'avez certainement remarqué autour de vous, dans une population donnée, se démarquent toujours des personnes qui sont animées par le don de soi, le partage, c'est cette volonté du partage, ou encore qui se battent pour l'intérêt général et surtout qui innove pour promouvoir la société ou encore améliorer l'impact social des projets de développement. Donc tout ce partage, ce don de soi, c'est la localité, tout ceci prend sa dimension dans ce qu'on appelle l'innovation sociale. Donc tel que le définit le Conseil supérieur de l'innovation sociétale comme étant tout ce qui consiste à élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits dans des conditions actuelles du marché ou d'une politique sociale, tout en impliquant tous les acteurs concernés, donc que ce soit des utilisateurs ou encore des usagers. Donc, ces innovations-là peuvent prendre diverses formes. Donc, ça peut être un produit, ça peut être un service, un mode d'organisation ou encore de distribution. Et pour la mise en œuvre et l'application d'un projet basé sur l'innovation sociale, il y a quatre principes fondamentaux qui sont très importants. Donc, le premier, c'est d'avoir une orientation stratégique claire et précise, c'est-à-dire se concentrer sur un domaine d'activité, se concentrer dans la production d'un seul produit, du moins pour une période donnée. Ceci pour ne pas justement avoir à se déperdre dans diverses missions. Le deuxième principe, c'est l'amélioration de la qualité du produit. Ça va de soi. Le troisième principe, c'est une organisation souple, c'est-à-dire l'organe qui est amené à appliquer cette dimension de l'innovation sociale. Est appelé à faire face au nouveau. On est en train de parler d'innovation, donc on est appelé à faire face au nouveau, à l'inconnu. Donc l'organe est appelé justement à avoir cette capacité
de faire face aux divers changements qui pourraient interférer le processus de la mise en œuvre de son projet. Et puis, le quatrième principe fondamental, c'est de travailler avec plus d'intelligence. Donc, quand on travaille avec plus d'intelligence, cela évoque à travailler en solidarité. Donc, travailler, c'est-à-dire rassembler les forces, les expertises de divers acteurs concernés de près ou de loin de ce projet de développement. Donc, maintenant qu'on a parlé de projets, des formes de produits et surtout des principes, qui est concerné par l'innovation sociale, qui est appelé à apporter cette dimension dans son organisation? Eh ben, tout simplement, c'est tous les acteurs de la société, enfin de la société ou de la cité. Ils sont classés par trois, on les classe trois différentes catégories. Donc la première catégorie qui porte l'innovation sociale, c'est le mouvement associatif. Donc, il faut savoir que historiquement, c'est le premier laboratoire d'innovation sociale, le fait de sa proximité avec les citoyens, sa connaissance approfondie justement des besoins du citoyen, de la population de manière générale et des territoires. Il a cette capacité justement de détecter les besoins sociaux existants, peu ou mal se satisfaits, ainsi qu'aussi les nouveaux. Et aussi, la force aussi du mouvement associatif, c'est que le fait qu'il y a cette interaction avec le concerné, souvent jaillissent des solutions, même par le concerné. Donc, la deuxième catégorie appelée justement à appliquer l'innovation sociale dans ces projets de développement, c'est le secteur économique. Donc là, on parle d'entrepreneurs et donc on parle d'innovation sociale entrepreneuriale. Il y a actuellement des générations d'entrepreneurs sociaux qui développent des innovations sociales afin d'apporter des solutions de grands défis sociétaux. Et d'ailleurs, même les entreprises classiques peuvent aussi également développer ce type de projet. Et pour la troisième catégorie, eh bien, le secteur public, donc les pouvoirs publics. Donc il s'agit d'une innovation sociale dans les politiques publiques. Donc ceci est porté évidemment par les acteurs publics, mais aussi et comment? Donc à travers des conseils, par exemple consultatifs, qui font appel aux deux autres acteurs. Donc on parle du mouvement associatif et des opérateurs économiques, justement pour réinterroger les politiques déjà établies et ce qu'on peut garder, ce qu'on peut aussi améliorer. Et d'ailleurs, actuellement, c'est ce qu'on appelle, et on le répète souvent, ce qu'on appelle la démocratie participative, c'est-à-dire se mettre autour d'une table et exposer une problématique ou un domaine donné ou un projet donné et faire interagir ces trois acteurs-là pour le développement d'un quelconque projet, qui soit dans l'agriculture, dans l'éducation, enfin, ou tout autre domaine. Mais dans tout cela, dans tout ce que nous avons, enfin, tout ce que j'ai présenté, en quoi est-ce que la digitalisation peut-elle contribuer? Alors, les expériences passées ont montré que la digitalisation est l'un des plus importants outils de mise en œuvre du processus de l'innovation sociale. Nous avions parlé des porteurs de l'innovation sociale. Et là, on va prendre le premier, par exemple, tel que dans le mouvement associatif. Et là, je citerai trois différents exemples. Donc, le premier, par exemple, je citerai Nestlé, qui, dès sa création, a orienté sa stratégie vers l'implication du citoyen dans toute la mise en œuvre de ses projets en ligne et donc à travers Facebook, plus précisément. Donc, que ce soit dans le recensement des besoins, donc à travers ses messageries ou commentaires ou autres,
la communication de ses besoins, l'appel aux dons, ou encore à travers la communication, vu qu'elle a acquis une certaine autorité sur les réseaux sociaux, elle a acquis une certaine audience. C'est devenu une force pour elle, avec ses différents partenaires. Et là, justement, c'est devenu un moyen de communication pour ses partenaires comme étant une des entreprises solidaires ou des entreprises citoyennes. Je citerai aussi un deuxième exemple, par exemple la plateforme de dons de sang Ahyaha. C'est une plateforme qui met en relation celui qui a besoin d'un don de sang et celui qui veut faire justement un don de sang. Puis aussi, il y a une autre catégorie, telle que les groupes d'information sur les réseaux sociaux. Je citerai par exemple 1001 Tech, 1001 Femmes, 1001 Emploi. Donc, c'est des groupes d'information dans des domaines bien, bien précis. Et voilà, il y a cette interaction. Et c'est là justement que l'innovation sociale dans ce genre d'initiative s'illustre à travers, en fait, c'est le fait d'avoir digitalisé un besoin qui était la mise en relation des personnes qui étaient demandeurs de dons ou d'informations avec des personnes détentrices d'informations à travers les réseaux sociaux ou une plateforme numérique. Donc de cela découle l'avantage notamment de l'innovation sociale versus digitalisation. Donc un, c'est dans la récolte de la data et de l'information des besoins du citoyen. Et le deuxième point, le positif, c'est le fait de pouvoir, quand on a un fichier qui est numérisé, de pouvoir le partager avec que ce soit le pouvoir public ou le service privé, justement pour pouvoir améliorer l'impact du service public ou privé. Donc en deuxième lieu, là nous avions parlé du mouvement associatif. En deuxième lieu, on va parler de ce qui concerne les services privés ou publics. Donc comme vous savez, l'information, la détention d'une information, et ben c'est tout simplement une force à l'heure actuelle. Quand elle est fiable, et surtout quand on l'a au bon moment, eh bien cela ne peut que nous aider à élever l'efficacité et l'efficience de notre projet. Donc là, pour ce qui est du service public ou privé, quand il n'est pas informatisé, quand il n'est pas digitalisé, il prend du temps déjà pour l'atteinte de ses objectifs, il perd aussi de sa fiabilité, et c'est le bénéficiaire ou encore le citoyen, in fine, à la fin du processus, eh ben, qui en souffre de ces lacunes-là. Et donc, or, la digitalisation des services publics ou privés, que ce soit dans la récolte de données, l'analyse ou encore dans l'exploitation de la data, selon les respects évidemment des règles et de l'intérêt de l'intérêt général, est impératif de développement actuel. Et c'est l'impératif justement du développement actuel, ou encore pour la concrétisation de ce qu'on appelle justement ce progrès-là. Et c'est là justement qu'intervient l'opportunité et l'avantage de se baser sur l'innovation sociale. C'est qu'en mettant en synergie ces trois porteurs cités auparavant, donc mouvement associatif, opérateur économique et pouvoir public, car cela va optimiser le service de chacun, et donc chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Et justement, l'outil nécessaire et primordial est justement la digitalisation de l'organisation de ces trois différents acteurs, déjà pour qu'ils puissent justement interagir et pouvoir communiquer, être sur le même diapason. Donc voilà, donc
Finalement, là pour on arrive à la fin de notre session, pour répondre à la question, d'ailleurs je vous serai reconnaissante d'y répondre sur la définition de la solidarité du 20e siècle. C'est pas d'assister le citoyen, c'est plutôt de le prendre par la main et lui permettre de faire sa vie, pardon, de lui permettre de faire sa vie, mais c'est aussi d'utiliser les technologies qui peuvent faire du bien ou du mal, mais surtout pour aider le citoyen à faire son projet de vie et surtout qu'il soit sans projet de vie. Et donc là, on passera de l'innovation technologique vers l'innovation sociale, ou encore, in fine, au progrès, un progrès optimal qui respecte justement l'humain. Donc, mes très chers, voilà, on arrive à la fin de cette session. J'espère que vous avez pu bénéficier de quelques informations qu'on a apportées. Entre-temps, je vous souhaite de bien exister. Et voilà, tant que vous pourrez. À bientôt, Inch'Allah.